notre grand frère est rentré. Il est venu. Doucement. Il est mon frère. Il est bien là, toi. Hé, maman. Allez, regarde-toi. Lave-moi, Nathan. T'es tellement belle, maman. Mon fils. Ma maman. Ma maman chérie. Moi aussi, je suis là, non? Allez, viens. Non, mais c'est bien. Regardez au bout. Allez, laissez-moi les saluer. Salut. À vos ordres. Attends-le. À vos mains. Allez, viens ici. Viens là, maman. Oh, le motard, un instant, mon Dieu, voilà, merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Ah, regardez-vous, allez. On y va, on va à la maison. Allez, on y va à la maison. Mon Dieu, tu es vous m'avez tous manqué, chérie. Je t'ai bénie pour m'avez tous manqué, en tout cas. Oh là 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 là, vraiment, il faut que nous sommes encore retrouvés en famille. Allez, baissez vos têtes. Bien, prions. Seigneur, bénis et sanctifie ce repas que tu as rendu disponible pour nous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons maintenant. Allez, mangeons tous. Bien. Totoku, pourquoi tu tues la viande, non? Arrête tes bêtises. C'est juste une viande. La ferme. C'est quoi ça même? C'est quelle façon de manger comme ça? N'est-ce qu'on a déjà mangé avant nous? Ah maman, il y a quoi? Regarde ce qu'il fait. Mange lentement, il y a assez de riz. Cette nourriture est tellement bonne. Tu te dépenses ça et là dans tout le village en train de marcher. Quand tu reviens ici, tu veux manger la quantité de toute la maison seule. Mange. Je vais te gifler. Il exagère maman, il le fait souvent. C'est quoi ça? Laissez-le. Je vais nous finir toute la viande ici. Tu penses aussi à tes frères et sœurs. Maman est en train de manger avec nous. Tu vois, en train de manger comme un vrai démon. C'est la viande. Va la prendre dans la cuisine. C'est pas de ta faute. Dépose. Ah, mais laisse-moi manger, non? C'est quoi? Je vais laisser. Regarde-toi vraiment, tu n'arrêtes pas de grossir et tu veux toujours manger. Je suis le cadet de cette famille. C'est pas question de cadet ici. Je dois beaucoup manger pour. Vous devez laisser comme lui parce qu'il doit grossir. Grand frère James. Oh, c'est quoi ça? Hey! Je n'ai rien fait. Non, mais tu t'entends parler. Arrête de déranger. Non, mais tu t'entends parler. Qu'est-ce que pas vous racontez? C'est parce que assassine jamais, cette nourriture est tellement délicieuse. T'as déjà mangé assez. Franchement, t'en fais pas, ne vous en faites pas, je vais vous surprendre tous. C'est comme si c'était fait uniquement. C'est moi qui vais préparer prochainement. Hey, et vous mangerez ma nourriture, vous allez voir. Mon frère bien-aimé. C'est pour lui que je fais ce repas spécial. Ne vous en faites pas, la prochaine fois, c'est pas facile de devenir un maître en nourriture ainsi qu'en nutrition. Est-ce que je me trompe, maman? Dis-moi. Maman, ce n'est pas facile de maîtriser ça, la nourriture et la nutrition. Oh, maman. Bon, pas de problème. La prochaine nourriture, c'est moi qui vais la préparer. Bien, c'est mon petit garçon, respirer. Il mange beaucoup. Hey, Neko, comment faut-il ça vient plus de retour. Mon frère sera un grand homme. Hey. Mais t'inquiète pas, je ne vais pas. Allez, quitte-la, va-t'en. Tiens. Ah, ma maman. Ah, fous-moi, Nachetana. Maman. Oh, non. Maman. Content de te revoir. Mon fils, raconte-nous un peu. Comment ça a été? D'où tu viens? Ah, maman, rien de spécial en tout cas. Au fait, je suis allé, j'ai vu et je suis revenu. Ah, ça, oui, alors. Et Dieu merci, il nous a protégés jusqu'ici. Je suis en vie. Je suis de retour maintenant, maman. Amen. Grand frère, je crois que ces gens ici ne vous ont pas beaucoup dérangé. Pas du tout, non, pas du tout. Au fait, tu sais, là où nous travaillons, précisément au centre-ville, le Boko Haram était très loin de là où nous vivions. Et ils sont très très loin de là où nous travaillons. Et aussi, nous avions des gardes qui veillent sur nous à chaque fois que nous sortons et entrons. Nous pouvons sortir et entrer en toute sécurité. Mais regardez-moi, non, je suis de retour, non? Merci. Confrère, Dieu merci, tu nous es revenu. Maman, nous. Ok, maman. Dépêchez-vous. C'est à cette heure que vous aurez plus de clients. T'inquiète pas, maman, nous serons bientôt là. Faites attention, soyez sage. Ok, maman.
acheter Akara. Acheter Akara. Venez acheter Akara. 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 Oui, Akara chaud. Acheter Akara. Allons comme ça. Tu as raison. Allons de ce côté-là. C'est bizarre, je ne trouve pas mes clients aujourd'hui. Acheter Akara chaud. Oh. Venez acheter Akara. Je suis très fatiguée. Moi également. On a combien aujourd'hui? 2150. Ah, maman sera contente. Surtout quand on lui dira que nous avons tout vendu. On va acheter de la viande aussi. Laisse-moi s'il te plaît. Okay. Allons-y. Si partons, c'est pas de la viande, le poisson. Attends, tu verras. Après cela, on ira au marché. S'il te plaît, allons-y. D'accord, on y va. J'espère que tout va bien. Maman, ça va? Ça va, je me sens juste fatiguée. Maman, aujourd'hui, nous avons tout vendu. Regarde. Oui, oh. Amanda, où est le tien? Maman, tout est dedans, on avait mélangé. Oui, maman. Thank you.
Né, attends. Il y a un truc que je veux te dire. C'est quoi encore? Je commence à avoir des sentiments pour ton frère James White Money. Il est mon type d'homme. Il est très mignon et très gentil. Il est très sexy. Ses lèvres me rendent dingue. Tu sais de quoi je parle. Cherche un autre homme. Il n'est pas disponible. Veuillez chercher ultérieurement. C'est à moi que tu parles. Attends. J'ai pensé que tu étais mon ami. Tu ne veux pas devenir ma belle-sœur? Amaga, s'il te plaît. Mon frère a besoin d'une femme licenciée. Es-tu licenciée? Dis-moi. Alors s'il te plaît, laisse-le tranquille. Il n'a pas besoin de toi. Il veut bien d'une licenciée. S'il te plaît, laisse seulement. Alors il faut essayer ultérieurement. Le nom que tu appelles n'est pas disponible. Hé! Hey. Attends un peu. Tu parles d'une fille licenciée. Attends. Neka, es-tu licenciée, je te demande? Es-tu licenciée? Au moins, je suis mieux que toi. J'ai fini mon secondaire. Et toi, tu es encore loin de là où je suis. Et tu es en train de me parler de licenciée? Que tu le veuilles ou pas, parce que j'ai des sentiments pour ton frère. Apprendre ou à laisser. Tu vois, Amara, est-ce que tu me comprends? Cherche un numéro qui va te convenir. Mets ça dans ta tête. Est-ce que tu m'as bien compris? D'ailleurs, c'est pas par force. Laisse mon frère tranquille, oh. C'est quel genre d'homme maintenant comme ça? Neka, tu sais quoi? Fais gaffe avec mon frère, je te dis. Hein? Neka, tu sais quoi? S'il te plaît. Que tu le veilles ou pas, c'est à prendre ou à laisser. Sache que ton frère, James Whiteman, est mien. Je l'aime, mon. Tu n'as pas un mot à dire à propos. Regarde-moi cette oppo. Elle veut parler de licenciés. Je suis mieux que toi. N'importe quoi. Regarde comment tu es en train de me renverser de l'eau aux pieds. On dirait que tu étais aveugle. N'importe quoi. Amaka en action, personne ne peut m'arrêter. Qu'il le veuille ou pas, White Money est le mien. Mon propre James. Eh, mon Dieu, quelqu'un est en train de rêver. J'ai vu dans la quelqu'un réalité. Quelqu'un est en train de rêver, mon Dieu. Regarde là, je te dis. Qui va t'aider? N'importe quoi. Veuillons voir celle qui va remporter. C'est quoi ça? Viens m'aider aujourd'hui. Laisse-moi. Viens m'aider. N'importe quoi. Tu t'en vas, hein? D'accord, merci beaucoup. On se verra. Mon bébé de cœur. Mon antidote, comment vas-tu? Hein? Allez, viens là, chérie. Amaka. Amaka. Ami. Oh,
Ah. Neka, c'est quoi, non? Pourquoi tu m'as réveillée? Hein? Amaka, j'ai laissé chez moi pour venir chez toi. Pour qu'on aille à Eboumabo. Et tu es en train de me gueuler parce que je te réveille. Pourquoi est-ce que tu cries d'abord, dis-moi? Donc je suis maintenant ta barrière. Donc je suis une barrière pour toi. Non, dis-moi, je deviens une barrière pour mais toi. Mais pas comme ça quand même. Attends un peu. Je n'aime pas ça. Ne le répète plus jamais dans ta vie. Biko, tu sais quoi? Allez, pars de chez moi. Ah, pars de chez moi, je ne vais plus encore aller chez Agumango. Allez, dégage. Ok, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai quitté chez moi pour venir ici chez toi. Ok, pas de problème, moi je m'en vais. D'accord. S'il te plaît, pars. Que je parte. Pars. Ah, mais quand tu m'as chassé. Oui, pars. D'accord, on se verra. Oh, mais comment il peut surgir et arrêter mon rêve. Je lui ai dit que j'aime James. Elle a dit non. Même dans mon rêve. Hey, Mbano. Mba, Nem. Non. Tu ne réussiras pas. Non. Ah. James était déjà en train de s'approcher de moi pour m'embrasser. Mon white money. L'homme selon mon cœur. Ses lèvres étaient des... Ah. Neka. Tu ferais mieux de partir pour du bon. Si tu oses revenir encore ici. Je t'ai entendu crier. Qu'est-ce qui ne va pas encore avec toi? Ok, mon Kai. Allez, dégage. Je peux inquiéter pour toi, non? Va-t'en. Il n'y a rien. Mais grande soeur. Neka, c'est quoi le problème avec toi? Pourquoi as-tu l'air si bizarre? Grand frère, ça va, je vais bien. Neka, tu es ma sœur. Tu ne peux pas me mentir, tu le sais bien. Je sais quand tu es heureuse et quand tu ne l'es pas du tout, alors arrête de me raconter des salades et dis-moi ce qui ne va pas. Je veux bien. Mais grand frère, je dis que ça va, non? Laisse-moi, ça va. Oh, hein? C'est ok, je t'ai entendu. Tu ne veux rien me dire du tout. Neka. Et alors ton amie Amaka? Je ne l'ai pas vue aux alentours depuis. Elle va bien? Mon frère, s'il te plaît. Je ne veux plus écouter ce nom. Je t'en prie, oh. En tout cas, je refuse. Je ne veux plus jamais écouter ce nom dans mes erreurs de cette maison. C'est une fille insensée. Je refuse, mon frère. Je t'en prie, pardon. N'oublie pas, oh. Oh. Yeah! Que veut dire ceci au juste? Hey! Akuna! Ah! Comment tu vas, mon vieux? Maman, bonjour! Ah! Non! Hein? On de quoi, oh? Je vais bien, maman. J'avais voyagé. Oui, oui. Je vois. C'est pourquoi je ne te voyais plus. Alors, je te donne quoi? Je veux ça. Ok, d'accord, sois posé. S'il te plaît, il faut bien les mettre. Oh. Je t'ai dit sois posé, ok? Tu me déranges là vraiment, je suis en train de manger. Attends un instant. Combien tu as mis là? Combien? J'en ai mis 5 au lieu de 3 là-dedans. Mais bon, je vais en ajouter encore.
qu'est-ce que tu racontes toi aussi? Mordenokwaba. Ah ah. Amaka. Chérie, comment vas-tu? Odima James. Ça va. Tu es venu acheter des akara? Oui, je suis venu acheter akara. Très bien. Pour combien alors? Je vais acheter les akara des 100 francs. Maman. Ah ah. Mon Lukedi. Eh oui. Grand frère, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux quoi, ma chère? Mais je veux lui vendre Yakara, non? Jamais! Amaka, laisse-moi te dire, on ne vend plus d'Akara ici. Hein? D'ailleurs, va chercher Akara là-bas, pas ici chez nous. Tu as aussi le courage de venir chercher Akara. Amaka, Neka, dégage d'ici. Neka, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Pourquoi ne veux-tu pas lui vendre Akara? Grand frère, s'il te plaît, respecte-moi pour le moment, je t'en prie. S'il te plaît. Elle n'est plus ton amie, c'est ça? Amaka, sors d'ici. Vas-y, pars. Makagini, pourquoi ne dois pas acheter Akara? Neka, dis-moi, pourquoi maman, ne dois pas acheter? Maman, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, dis-lui de partir d'ici maintenant. Dites-lui de partir d'ici. Amaka, dégage, oh. Hey, attends, je vais te lancer ce truc. Qu'est-ce que tu veux faire? Reviens encore ici. Ah, écoute, Neka, ce que tu fais là, c'est de la folie. Hey. Maman, s'il te plaît, grand frère, s'il te plaît, oh, comprenez-moi un peu, s'il vous plaît. Vous savez, cette fille m'énerve maintenant. Moi, en tout cas, dites-lui de ne plus jamais venir ici. Je ne veux plus la voir ici. Oh. En tout cas, je refuse. Écoutez ce qu'elle dit. Mais pourquoi? Salut Neka. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-elle refusé de répondre à notre salutation? Est-ce qu'elle va bien? Peut-être qu'elle s'est disputée avec la grande sœur Neka. Ah ah. Mais en quoi ça nous regarde? Je ne sais pas où. Arrête de gâcher le temps, on y va. Okay, je ne sais même pas pourquoi on l'a saluée. Achetez la Akara! Achetez la Akara! Elle fait ceci comme si elle était fâchée contre nous. Achetez la Akara! Amaka? Frérot, tu étais là depuis? Oui, j'étais là en train de te regarder depuis longtemps. Amaka, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui te dérange? Non, je n'ai pas de problème. J'étais juste en train de réfléchir sur un truc. Amaka, tu sais que tu mens. Tu sais très bien que tu mens. Sais-tu pendant combien de temps je suis resté là à te regarder? Regarde, tu es ma sœur. Sens-toi libre de te confier à moi. Hein? Ok, regarde, parle-moi. Qu'y a-t-il? C'est comme je l'ai dit avant. Je n'ai pas de problème. C'est personnel. C'est personnel? Oui. Pas de problème. Bien, je sors un peu. Prends bien soin de toi, ok? Ah ah, frérot, où est-ce que tu vas? C'est personnel. Hmm? Allez, reviens, je ne comprends pas. Depuis quand? Amaka, c'est quoi ton problème? Non, dis-moi, c'est quoi ton problème? Je viens de te demander ce qui te dérangeait et tu m'as répondu que c'est personnel. Alors mon cas aussi est personnel. Où est le problème? C'est quoi même? Regarde, je sors, rassure-toi de préparer quelque chose. Oh. S'il te plaît, à mon retour, ne me dis pas que oh, c'était personnel. Frérot. Personnel, personnel. Frérot, fais attention. Sois juste sage. Biko. Je crois que je dois aller présenter mes excuses à Neka. Oui. Elle est une bonne amie pour moi. Et je ne veux pas la perdre. Non, je dois arranger avec elle. Je dois me rendre chez elle. C'est très important. Né. Né, s'il te plaît, reviens, non? Né, arrête-toi de... Comment oses-tu? Est-ce que ça va avec toi? Amaka, c'est la dernière fois que tu m'arrêtes en cours de route. M'as-tu bien compris?
Je te dis, n'ose plus jamais le refaire dans la vie. Mais tu m'as giflé. Et je peux encore le refaire? Mais je suis désolée. Je suis désolée pour tout. Tu es la seule amie que j'ai dans ce village. Qui est ton amie? S'il te plaît, accepte mon pardon. Amaka, écoute-moi très bien. Je vais être une barrière pour tout le monde et non pour toi. M'as-tu entendu? N'ose plus me stopper. Nous ne sommes plus amis. N'ose plus jamais me chercher ni venir chez nous. M'as-tu bien entendu? Tu m'as écouté, je te dis. N'ose plus venir chez nous. Sinon, c'est ton problème. Je te ferai du mal, Amaka. Je te ferai du mal, oh. N'ose plus venir chez nous. M'as-tu entendu? Allez, dégage! Neka, je suis désolée. Neka, je suis désolée, ne me tourne pas les dos. Tu es la seule que j'ai dans ce village. Amaka, quel est le problème? Hein? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas entre toi ainsi que ma soeur? J'ai essayé de lui demander à propos de toi. Et la façon dont elle m'a répondu, c'est comme s'il y avait vraiment un problème. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un bon bout de temps que je ne te vois plus venir à la maison. Tu veux connaître la vérité? Oui, je veux connaître la vérité. C'est toi le problème. Oui, c'est toi le problème. Moi? Comment? Attends. Je vais te dire quelque chose. Ah, c'est bizarre ça. Mais en même temps, ce n'est pas du tout une bonne raison pour vous de vous quereller à chaque instant, vraiment. Hein? Il n'y a pas de problème. C'est déjà le passé. Je vous envie tous les deux. J'envie vraiment votre amitié. Ok? Et je ne supporte pas du tout vous voir comme ça tous les deux. Alors ne t'en fais pas. Dès que je serai à la maison, je vais lui parler. Ok? Je ne crois pas, James. Puisque ta sœur garde toujours une dent contre moi, elle est très fâchée contre moi. Imagine que je l'ai suivie pour présenter mes excuses. Elle m'a giflé et est partie. Alors, ne te dérange pas pour ça. Écoute, je sais que Neka peut être têtue des fois. Hein? Mais pas jusqu'au point de lever la main sur toi. Pourquoi devrait-elle faire ça? Hormis le fait que vous soyez amis, je sais très bien que tu es la plus âgée qu'elle. Mais pourquoi devrait-elle faire ça? Eh bien, ne t'en fais pas maintenant, d'accord? Je vais à la maison maintenant. Dès que je serai là, je vais lui parler, ok? Prends soin de toi. Je me s'arrête, s'il te plaît. Je t'aime.
James, je t'aime. Oui, c'est venu fond de mon cœur. Neka, pourquoi es-tu si méchante? Pourquoi es-tu sans cœur? Hein? N'as-tu pas un cœur pour pardonner? Que veux-tu que cette fille te fasse de plus? Tu veux qu'elle se tue pour toi, c'est ça? Hein? Neka, depuis quand es-tu devenue comme ça? Tu n'étais pas comme ça avant. Pourquoi es-tu sans cœur? Hein? Tu as giflé ton amie, juste parce qu'elle était venue te demander pardon. Hein? L'autre jour, tu l'avais embarrassée au marché. Je n'avais pas dit un mot. Elle est revenue te voir encore et tu l'as giflée pour la seconde fois. Qu'est-ce qui te prend, dis-moi? Grand frère, mais pourquoi tu cries? Tu sais ce qu'elle m'a fait? Elle m'a traité de... Bon, allez, ferme ta bouche, toi. Oh oui, elle t'a traité de mauvaise amie. Et alors quoi? Neka, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quand est-ce que tu as changé comme ça? Hein? Pour ton information, elle m'a raconté tout ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ton amie est amoureuse de moi, et alors quoi? Je suis ton frère, je ne vais pas me marier à toi. Hein? Qu'en est-il du jour où tu l'avais traité d'illettré, hein? T'avais-t-elle giflé? Pourquoi lui rends-tu sa vie misérable à ce point? Hein? Tu peux parler. Es-tu allé à l'école? Es-tu licencié? Grand frère, je sais, je suis pas licencié, mais j'ai eu une tête. Je vais te gifler. Pourquoi fais-tu ça à ta meilleure amie? Hein? Tu sais que toi aussi, un jour, tu chercheras à te marier? Je prie que Dieu te pardonne pour tout ce que tu es en train de faire subir à ton amie. Non, James, arrête. Maman, tu devrais parler à cette fille. Maman, je n'ai rien fait, oh. Je n'ai rien fait. Ferme-la. Rien. Je comprends ta peine. Hein? Laisse-moi le temps de parler avec elle. Je m'occuperai moi-même d'elle. Hein? Désolée, Biko. Bien. Laisse-moi, maman. Non. Hein? Laisse-moi, je refuse. Non. Allez. Oh. Maman, merci pour ton conseil. En tout cas, j'ai très bien entendu ce que tu m'as dit. C'est de ma faute, hein? Je comprends, mais je promets que je ne vais plus jamais le refaire. C'est ça même. Ou bien non. Fais exactement ce que je t'ai dit. Hein? Rentre présenter tes excuses à ton frère. Après, tu vas aller chez ton ami pour lui dire que tu es désolée de tes actions. Pas de problème, maman. Oya, on y va. Je ferai ce que tu m'as dit. Merci. Oya, Kabadji. Fous-moi, Jetan. Allez, maman, laisse-moi. Grand frère, s'il te plaît, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je t'en prie. Grand frère, s'il te plaît, pardonne-moi. Grand frère, s'il te plaît, je promets que je ne vais plus jamais le refaire. Je jure, je ne vais plus jamais le refaire. S'il te plaît. Grand frère, pardon. Regarde-moi, je t'en prie, non? Ah, laisse-moi tranquille. Je sais que quand tu me parles comme ça, c'est parce que tu as besoin d'argent. Hein? Et tu savais que j'avais de l'argent et c'est pourquoi quand je parlais, tu me répondais aussi, c'est ça, non? Méchante fille. S'il te plaît, mon frère. C'est bon, allez, lève-toi maintenant, c'est bon, vas-y. Grand frère, s'il te plaît. Grand frère. Allez, c'est bon. Et mon que ce soit bien clair. Tu vas aller et demander pardon à Maka, d'accord? Je promets. Tu le feras? Je jure, je ne vais plus jamais le refaire. T'inquiète, mon frère. D'accord, j'arrive alors. Je reviens là-bas. Je pars là-bas. Je vais revenir avec elle ici. Mon frère. Hey, maman. Oh.
Amaka, s'il te plaît, désolée. Je sais que je t'avais beaucoup offensé. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Accorde-moi une autre chance. S'il te plaît. Amaka, mon ami, s'il te plaît, pardonne-moi. Amaka, aie pitié, non? S'il te plaît. Pas jusque-là, hein? C'est bon, c'est bon. Regarde comment elle s'est agenouillée pour te demander pardon. Grande sœur, hein? Si elle a quitté chez elle pour venir ici te demander pardon, cela veut dire qu'elle a complètement changé. S'il te plaît, pardonne-lui. Vous êtes des meilleurs amis, oh. Hein? Rappelle-toi, quand vous étiez gamine là, tu ne peux pas lui tourner les deux, non? S'il te plaît, pardonne-lui. Toute amitié a toujours les hauts et les bas. S'il te plaît. Je sais, je sais, mais s'il te plaît, pardonne-lui. S'il te plaît, voilà, pardon, ça ne peut plus jamais se répéter, s'il te plaît, je te jure. Amaka. C'est bon, lève-toi. S'il te plaît, Amaka, je suis désolée. Tu sais que je t'aime. Oui, Amaka, s'il te plaît. Moi-même, je suis désolée. Dis-moi tout ce que je veux dire. Tu dois recommencer. Amaka. Il faut recommencer avec. Regardez bien comment je joue. Regardez mes pieds.
arrête. Non, laisse-la commencer d'abord. Pourquoi tu t'interfères dans ces problèmes? Oh, est-elle ton amie? Hein? Oh, vraiment? Ok. J'attends voir celle qui va échouer. Oya. Oh, vas-y. Ouais. C'est allez. Bon. Oya, Oya, tu as sauté, ma chérie. Oui. Tu as perdu, tu as sauté une case. Attendez. Oui. Wow. Des non. Oui. Non, laisse-moi aussi essayer. Oh, mais attends. Laisse-moi faire. Avertis là-haut. Vas-y, on va voir. Mais, Amaka. Allez, allez, oh, arrête doucement. De me arrête, non. Qu'est-ce que tu as fait là, Amaka? Non, non, attends, tu as fait là. Tu as échoué, tu as changé de pied, tu as échoué. Je t'ai vu, tu as échoué. Tu as échoué. Oh non, c'est pas vrai, tu n'as pas échoué. C'est quoi ça, tu as échoué? Non, non, tu as échoué. Tu as perdu, tu as perdu, laisse, Amaka, non. Tu as échoué au... Ah, ah, c'est quoi ça avec toi? Non, non, tu as perdu. Tout ça, c'est à cause de tes commentaires. Ah, tu vois même, tu as perdu. Ne la suis pas, ne la suis pas. Continue, continue. Kigadia. On est, on est là. Eh non, ne dis rien. Non, non, moi, je n'ai pas perdu. C'est bon. J'ai gagné. Tu vois ce que je disais? Non, 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 tu veux mentir. Non. Je suis là. Je suis là, on verra bien. Toi, tu n'es pas gentil. Laisse-moi. Ah, non. Maman, maman, je t'ai appelé ici parce que j'ai vraiment quelque chose de très important à discuter avec toi. Au fait, je pense qu'il est encore grand temps pour moi de quitter ce village. Hein? Je veux retourner à la ville parce que j'aime aussi mes collègues. Je suis fatigué de rester dans ce village et manger. Merci beaucoup, maman. Hein? Pardon, oh. Laisse-moi retourner à la ville pour faire de l'argent comme tous mes amis. Hé, maman, tu sais c'est pourquoi tu m'as appelé. Difficile pour moi d'accepter. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre une fois tu es à la cité. Hein? Mon fils, où est-ce que tu trouveras le boulot dans ces pays? Pendant que 99% des licenciés dans ces pays sont tous chômeurs. Ce n'est pas facile de s'en sortir dans notre conjoncture. À moins que tu n'aies un parrain qui peut te caser. Sinon, c'est compliqué. Maman, maman, arrête un peu de dire tout ça, s'il te plaît. Hein? Je connais le Dieu que je sers, maman. Hein? Alors, ne t'en fais pas. T'inquiète pas pour moi. Hein? Souviens-toi de ce que tu nous as toujours dit quand nous étions des petits-enfants. Croyez toujours en Dieu. Et c'est en lui que réside ma croyance jusqu'à aujourd'hui. À moins que mon Dieu me délaisse maintenant et que je me retrouve tout seul. Et d'ailleurs, mon nom l'indique, Chukunonso, Dieu est avec moi. Je sais que mon Dieu est avec moi, alors arrête de dire n'importe quoi. Je sais que je vais aller là-bas et je le ferai. Hein? Alors laisse-moi partir une fois que j'irai dans cette ville. Dans juste peu de mois, j'aurai déjà tout fait, t'en fais pas. Maman, calme-toi s'il te plaît, oh. Oh? Mmh. Oh, maman, il n'y a pas de problème, juste comme tu l'as dit. Depuis que vous étiez enfant, je n'ai pas cessé de vous parler de Dieu. Je suis heureuse de savoir que tu gardes ces choses jusqu'à aujourd'hui. Ce même Dieu sera avec toi à la cité. Mbom. Oh, sous-bois de l'eau, hein? Garde ta foi à Dieu, juste comme tu l'as dit. Tes yeux-là, hein? Certainement, tu trouveras un chemin tout tracé. Mais j'aimerais quand même te poser une question. Est-ce que tu connais quelqu'un à la cité? Là, au moins, tu pourras te rassurer de l'endroit où tu peux rester. Maman, cela ne devrait pas être un problème, ok? Certains de mes amis sont dans cette même ville. Certains dorment sous des ponts et d'autres même sous des voitures. Et ils ne sont pas morts. Et puisque je débute dans l'affaire, je dois aussi commencer comme eux et même souffrir. Comme ça, je vais m'en sortir, tu vois? Hein? Alors, ne t'en fais pas pour moi. Ne t'en fais pas. Je vais prendre soin de moi comme un homme. Oh? Qu'est-ce que je vais dire encore? Oh? Ok. Je ne cesse de les dire. Je vous ai montré Dieu. Alors, dès que tu seras à la cité, continue de garder ta foi. Peu importe ce que tu rencontreras à la cité, hein? Fais appel à Dieu et tu trouveras la solution. Oh? Tu as ma bénédiction. Lèvres de tes mains seront bénies. Tu trouveras récompense dans tout ce que tu feras. Ton chemin est ouvert. Va dans la paix.
Mon amour, tu devrais vraiment te calmer, non hein? Pourquoi est-ce que tu te fais ça vraiment? Chérie, imagine un peu, les gens sont en train de te regarder. Pourquoi est-ce que tu pleures hein? Je ne fais qu'aller en ville pour me débrouiller et rien de plus. Calme-toi. Je ne suis pas en train de fuir, je serai de retour bien avant que tu le saches. Bébé, comprends-moi. Je ne vais pas te perdre. Tu ne me perdras pas, chérie. Non. Je connais les filles de la cité. Je connais bien leurs malices. Elles sont sournoises. Elles peuvent même utiliser de l'argent pour t'avoir. S'il te plaît, je ne vais pas te perdre. Tu sais par quoi je suis passée. Tu le sais. Juste pour t'avoir à mes côtés. Je sais ça, bébé. Promets-moi une chose. Promets-moi que tu me reviendras et que tu ne vas pas m'oublier. Allez, mon amour, s'il te plaît, arrête-moi ça, ok? Tu es ma femme et je vais t'épouser, hein? Tu parles là comme si je n'avais jamais été dans cette ville avant, hein? J'ai même étudié là-bas, chérie, hein? Je connais ces filles, je connais leur comportement. Si je n'ai jamais été avec elles avant, pourquoi le serais-je seulement maintenant? Aucune d'entre elles ne pourra m'éloigner de toi. Hein? Je t'en prie. Je te promets que je reviendrai pour toi. C'est une promesse. Bébé, es-tu sûr? Je peux compter sur ta promesse? Tu me promets vraiment? Oui, c'est une promesse, ok? C'est une promesse. Es-tu sûr? Je t'aime, mon amour, ok? Tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Maman, je t'ai appelé ici pour te dire que j'ai déjà fini d'emballer mes affaires et je crois que demain déjà je vais partir très tôt, oui, très tôt demain. Non, où se bois de l'eau, il n'y a pas de problème. Je sais que le Dieu que je sers va t'amener jusqu'à la cité et va te bénir. Amen. Il te fera grâce de trouver le boulot de ton choix. Amen, amen. Bien, maman, je crois que je vais aller vers le village pour voir... certaines mes amies. Parce que je n'aurai pas le temps de leur dire au revoir vu que je quitte demain très tôt le matin. Ici, bois de l'eau. Oui. Ok, on se voit dès que je reviens. Ibata. Amaka, mais qu'est-ce qui ne va pas, non? Hein? Bébé. Pourquoi m'as-tu amené ici? Bébé, fais-moi l'amour. Quoi? Ici? Fais-moi l'amour. Oh shit! Wow! Merci bébé. Merci beaucoup. Tu as eu ce que tu voulais, hein? Oh mon amour, oui. Tu m'as fait sentir ce que c'est d'être une femme. T'es sérieuse là? C'est de ça que je parle. Tu es tellement doux. Tu es le meilleur, tu sais. Tu es tellement succulent. C'est d'accord, oh chérie, oh. Je ne sais vraiment pas si j'ai aimé le sexe ou plutôt le fait d'avoir été avec toi dans la brousse. Tu peux le dire encore, bébé. Je n'avais jamais fait ça avant, je crois que c'est vraiment très bien. Mon homme à moi, White Money, je crois que tu as aimé. Oh oui, bien Laisse-moi sûr. Laisse-moi t'aider. Ha 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 ha.
bébé, mon teint clair, mon chocolat, mon soleil. Tu sais que tu es doux. Tu sais. Et toi aussi, tu es vraiment très douce. Je ne mérite pas de te perdre pour rien au monde. Si tu me quittes, je mourrai. Tu me tuerais, hein. Ok. Allons-y, commence à faire sombre, chérie. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi, ok? Mon White, mon nid, mon bébé boubou, mon gros bébé, tu es tout pour moi, mon soleil. Allez, il y a des gens là-bas. Hey, Manketi. Bonjour. 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 Vous allez bien? Ça va bien. Oui, content de vous voir. Au revoir. C'est bon, les enfants. Hey Max, dis-moi, comment vas-tu là-bas? Frérot, pourquoi ton visage est comme ça? Est-ce que tu vas bien? Amaka, tu sais que cette question stupide n'est pas faite pour moi. Amaka? Amaka, d'où est-ce que tu viens? Amaka, depuis le matin jusqu'à cette heure, tu as quitté cette maison le matin. Mais regarde l'heure à laquelle tu rentres. Même la nourriture que je t'avais remis pour préparer, il n'y a rien là-bas à la cuisine. Amaka, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais mon frère... Il y a la soupe de Ogo aussi dans la casserole. Amaka, Amaka, es-tu folle? As-tu perdu la tête? Tu as un problème dans la tête? Amaka, ne savais-je pas qu'il y avait la soupe? Je t'ai donné l'argent pour préparer du riz. Amaka, je ne vais pas manger la soupe. Je vais manger les riz. Va là-bas et prépare-moi les riz, Amaka. Oh, désolé. C'est parce qu'il y avait encore de la soupe d'Ogo aussi dans la casserole. C'est pourquoi j'avais trouvé bon de faire les riz le soir pour qu'on mange. Je suis désolée à propos. Amaka, tu sais bien ce que je peux faire. Amaka, là tu es en train de me taper dans le système. Je ferme mes yeux et si je les ouvrais et te voir toujours là devant moi, Amaka, tu me connais. Je vais te taper, je vais... Va préparer vite. Et là, le courage de me parler de la soupe. C'est quel genre de problème ça? Hein? Amaka, où est-ce que tu es en train de partir? J'ai quoi, Amaka? J'ai quoi? Dans ton nom, c'est je. Vas-y, parle. Où vas-tu? Tu es là, j'ai. Je dois quand même aller faire le marché. Depuis le matin? Amaka, depuis le matin, tu n'es pas allé au marché. Hey, ça c'est grave. Désolé mon frère, je serai déjà de retour d'ici peu. Je ne vais pas traîner. Je cours derrière la montre. Je vais rentrer ici très vite. Tout sera déjà prêt et tu vas manger. Pas de problème. Peut-être qu'à ton retour, tu viendras prendre mon cadavre pour aller l'enterrer. Non. Non. Mon frère, tu ne mourras pas. Sans effet, Amaka. Tu dis sans effet. Tu m'as laissé ici depuis le matin, je n'ai rien mangé. Et tu oses dire sans effet, Amaka? Pas de problème, tu viendras prendre mon cadavre pour aller enterrer. Tu ne mourras pas, non. Arrête de dire ça, ce n'est pas possible. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, crois-moi. Ferme tes yeux, avant de les ouvrir, je serai là et tout sera déjà prêt. Crois-moi, je te dis vrai.
Odjoma. Oui. Où est le piment? Où est le piment? C'est juste là-bas. Es-tu sûr? Oui. Bien, d'accord. Je l'ai vu. C'est bon, laisse-moi me dépêcher. J'ai laissé un morceau là pour demain. D'accord. Okay? De toute façon, il est endormi là dehors de faim. Tu ne vas pas croire. Odjoma! Oui? Ça veut dire quoi? Pourquoi l'assiette est vide? Je ne savais pas que c'était vide. C'est grande sœur Amara qui m'a demandé de vous donner ça. Quoi? Oui. Tu veux dire qu'Amaka t'a donné une assiette vide pour me les donner? Oui. Où est Amaka? Elle est à la cuisine. Amaka, je vais la tuer! Amaka, mets l'assiette, non? Vas-y. Ouvre. Amaka, j'ai dit ouvre l'assiette. Ouvre ça toi-même. Amaka, avant que je ne compte jusqu'à trois, ouvre-la. Une. Deux. Deux et demi. Ne puis-je plus blaguer avec toi? Tu savais très bien qu'il y a quelque chose dans l'assiette, alors pourquoi as-tu mis du temps pour l'ouvrir? Grand frère, j'ai cru que tu allais me battre puisque j'ai plus de temps pour le faire. Amaka, suis-je si violent? Je ne peux pas te taper, tu es ma soeur. Tu sais quoi? Va m'apporter de l'eau. Maintenant tu souris. Tu vois, j'étais eu, non? Ah, va m'apporter. Regarde-toi bien. Ok, j'arrive. Donne-moi une minute. Qu'est-ce qu'il y a avec la nourriture, moi? La nourriture? Je finis de manger, non? Amaka, ça veut dire quoi, ça? Je t'ai demandé de m'apporter de l'eau et tu l'as jetée. Maman? Oui? Maman, tu es très belle. J'aime cette tenue. Dis-le encore, ma fille. J'espère que tu vas me trouver aussi une tenue comme ça. Je t'en trouverai ma puce. Maman, 631. Je me rends chez une amie et je serai de retour les après-midi. Maman? C'est maman? Quoi cet habillement? Ah. Oui, bébé. Maman? Bébé? On veut juste que tu sois très prudente. Prudente? Mais pourquoi? Maman, ton corps fraîche,
Je ne veux pas que ce petit garçon là dehors puisse retourner contre mon père juste pour toi, maman. Ma chérie, tu dois faire confiance à ta maman. Je ne tromperai jamais votre père. Je l'aime beaucoup et vous le savez. Alors, faites-moi confiance. Oui. Allez, approchez, venez me faire un câlin. D'accord, maman. Oh, oui, maman. Je vais avoir un bisou. Ouais. C'est bon, les maman. Filles. Je vous dis que je t'aime beaucoup. Maman. Prenez soin de vous, ok? Bye. Puis-je parler à ta dame, s'il te plaît? Je t'en prie, aide-moi. Oui, qui est-ce? Bonjour, madame. Oui, comment tu vas? Madame, désolé de vous déranger, s'il vous plaît. Au fait, je viens de mon village. Mais ça fait 2 jours de cela que je n'arrête pas de tournoyer en ville en train de chercher un petit job. Je n'ai rien pu manger jusque-là. Je me demandais si vous pouviez m'aider à me trouver quelque chose à manger parce que là, j'ai vraiment très faim. Es-tu sûr de ce que tu es en train de dire? Madame, il ment. Ces gens de gars, c'est ce qu'ils font d'habitude. Ces garçons étaient un menteur, je ne le crois même pas. Non, je jure devant mon Dieu, je ne mens pas. Je viens du village, je ne mens pas du tout. Je viens de la ville, du village. Je ne connais personne ici, je vous prie. C'est bon, d'accord, entre dans la voiture et je te conduis chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Madame, ne vous en faites pas. Je vous ai demandé un peu d'argent et pas de m'utiliser pour un rituel d'argent. Merci. Es-tu sérieux? Gênant. Approche, allez, viens. Je t'ai dit, entre dans la voiture et je t'ai conduit chez moi. Je ne veux plus prendre votre argent, madame. Je vous ai demandé un tout petit peu et vous voilà que vous voulez m'amener pour m'utiliser pour un rituel d'argent. Allez, arrête. Approche. Viens, gênant.
Seigneur, mais ce garçon est incroyable. Ce garçon peut cuisiner pour l'Afrique entière. Je suis impatiente d'écouter sa nourriture. Ah. Qu'est-ce que tu es en train de foutre? Arrête là? Ça! Qu'est-ce qui t'intéresse ici, dis-moi? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de foutre? Non, je suis la Premier League. Manchester contre Chelsea. Hein? Es-tu débile? Pourquoi tu me tourmentes? Hein? J'observe comment cet homme prépare cette nourriture. Et deuxièmement, je suis là pour voir les ingrédients qu'il utilise, comprendre mieux la nourriture avant de la servir. Alors, tu ferais mieux de me foutre la paix, ok? Laisse-moi te dire que ta gourmandise te tuera. Tu passes ton temps à savourer les travaux de ton coéquipier. Reste là, comme ça tu feras le plein juste par l'arôme. Attends, écoute. Tu vois, je t'ai dit ça mille et une fois. Si tu vois quelque chose me concernant, juste bouge tes fesses. C'est aussi simple que ça. Espèce de poulet mal congelé. Hein? Oh, attends. D'ailleurs, on te paye combien, toi? On te paye combien? Parfois, tu oublies que je gagne plus que toi. Idiote. Hé, j'ai raté des choses importantes. Ce qui reste, ce sont de petites choses. Laisse-moi voir. Je ne dois pas rater ça. Sorcière. Viens encore ici. Ose venir, tu verras. Idiote. Pourquoi partout où j'ai fait mes choses, cette sorcière mal élevée viendra s'ingérer? Je ne te blâme pas parce que on nous a mélangés ici et tu penses qu'on est devenus amis. Espèce de fille sans mère. Je ne te blâme pas parce qu'on travaille dans un même endroit, alors on est devenus amis. Et tu te permets de me dire tout. Tu dois savoir qu'on n'est pas amis. Pas du tout. Ah, ma sœur. Oui, ma chérie. Toute la maison sent bon. J'espère que la nourriture goûtera aussi bon que son odeur. Ma chère, tu sais quoi? Moi aussi, j'ai très envie de montrer que je me vois là. J'ai faim, j'ai envie d'être à table pour le moment. Tu continues toujours à vouloir manger? Non, que je te laisse alors tout, hein? Avec cette taille. Ah, quitte. J'ai envie de manger aussi. Ne crois-tu pas que nous devons aller goûter cette nourriture? J'en peux plus de saliver. Qu'est-ce que tu en dis? Miko, allons-y. Hein? On se dépêche? Allons-y. Pardon, vite, non, moi j'ai faim. Je dois manger. Bon après-midi. Oui, bon après-midi. Comment vas-tu? Bien, merci. Le déjeuner est servi. Ok. Je te l'avais dit. Tu vois maintenant, c'est prêt. On y va.
Cette nourriture est bonne, non? Cette nourriture est bonne. Qui peut cuisiner de la sorte? Cette cuillère ne m'aide pas du tout. Je dois utiliser les mains pour que je mange bien ma nourriture. J'ai déjà mangé des nourritures, mais je n'ai jamais mangé une telle nourriture. Voilà. En tout cas, tu es terrible, mon gars. J'ai mangé des nourritures, mais la nourriture que ce gars prépare, elle est vraiment spéciale. Tu vas même au ciel. Jésus va apprécier ta nourriture. Eh oh! D'ailleurs, j'avais décidé de quitter cette personne. Mais juste à cause de cette nourriture, je reste ici. Moi. Je peux même te donner le trophée du meilleur cuisinier du monde à cause de ça. Oh, ce genre de nourriture, ce sont des nourritures de rêve, en tout cas. J'apprécie vraiment. Hey. Eh oh! Voilà une bonne nourriture. En tout cas, tu conviens à la cuisine. En tout cas, tu conviens à la cuisine. Nous t'aimons. Bon appétit. Que je finisse cette nourriture avant que cette imbécile vienne me déranger. Où est-elle d'ailleurs? À Baal. Wow, c'est délicieux. En tout cas, je ne dois pas finir cette nourriture. Je dois manger la première partie, me reposer un peu et finir la deuxième. J'ai déjà mangé la moitié. Il me reste une autre moitié. Non. Si je la laisse comme ça, on risque de me créer des ennuis. Je dois manger. Cette nourriture est très délicieuse. Je ne veux pas qu'on me crée des ennuis. Oh, Seigneur. Quelle nourriture. Qu'est-ce que tu caches derrière? Pourquoi me surveilles-tu comme ça? Es-tu un esprit de suivi? Je ne sais pas comment le boss t'a ramassé pour t'amener ici. Et depuis là, je ne suis plus en paix. On t'utilise ou quoi? Pourquoi au moins une fois, tu ne peux pas faire des choses de manière raisonnable, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu folle ou quoi? Hé, mon Dieu, attends. Attends, c'est tout le monde ici qui a déjà fini de manger. Et pourquoi toi, tu as encore ton assiette en train de tourner partout? Qu'est-ce que tu penses faire? Oh non, c'est une marche de protestation que je suis en train de faire. J'ai fait une protestation. Écoute-moi, tel que tu me vois là, j'ai mangé la première partie. J'ai pris cette assiette pour aller là-bas et prendre encore de la nourriture. Ce gars peut préparer pour l'Afrique. T'as pas froid aux yeux? Tu dis? Abara, que la foudre s'abatte sur toi. T'as pas honte, tu vois pas ta taille, comment ton ventre est ballonné. Attends, oh, la nourriture qu'on a gardée pour moi, c'est ce que tu veux qu'on rajoute pour toi? Hein? Ok, vas-y. Comme donc, tu n'as pas honte, j'ai l'impression d'être couverte de ta honte. Ah, j'étais en train de vous suspecter, alors je comprends maintenant pourquoi. Donc, tu as déjà mangé et tu as réservé une autre partie uniquement pour toi. Tu es malade, tu ferais mieux de me laisser passer, je ne vais tu pas te problèmes. Manger. Oh, il passe, non. Laisse... Abara, viens passer. Ce n'est pas par là que je vais passer. Avance, oh. Non, Abara. Je vais aller à la cuisine. Comme ça, on verra moi et toi. Approche, fou que tu es. Abara, attends. Attends, tu verras aujourd'hui. Tu ne te rassasies jamais. Tu as quel genre d'estomac? Oh, on va me tuer. Oh. Venez au secours. Qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-le. Allez, laisse-le. Laissez-moi. Arrête ça, non? Je vais aujourd'hui. Allez-y, arrête. Laisse-moi. Ma chère, arrête ça, non? Ça me fait teaser. Laissez-moi. Non, vous, laissez-la.
Laissez-la me faire ce qu'elle veut. Allez, toi, tais-toi, espèce d'idiot. Lève-toi, tranquille. Lève-toi. Hein? Laisse-le tranquille, hein? Allez, viens prendre la nourriture. Il y en a assez là-bas dans la cuisine, s'il te plaît. Ah ah, tu veux le tuer? Écoutez, le problème est que... Ferme ta bouche là-bas, idiot. Tais-toi, glouton. C'est parce que je n'avais pas mangé. Vous connaissez mon état de santé. Sale pervers. Très bien. Si seulement j'avais mangé, jeune fille, je t'aurais donné quelque chose que tu n'as jamais eu toute ta vie. Comment cette fille peut me frapper comme ça? Tu ne penses tout de même pas que j'ai abandonné, hein? Ma nourriture. Oh, ce garçon est très beau. Il est très mignon. C'est pour ça que tu l'aimes? Non, il prépare très bien. Tu es drôle des fois. Écoute, ce garçon me dégoûte. Je ne ressens rien du tout pour lui. Tu sais pourquoi? Parce que des gars comme lui sont des vrais Casanova. Alors je ne vais pas rentrer à la maison en pleurant comme une madeleine après avoir eu le cœur brisé. Non. Alors je te conseille, ma belle, de ne pas t'approcher de lui. Non, c'est le genre d'homme que j'aime dans ma vie, je te dis. Un homme bien comme ça, qui peut bien cuisiner, qui peut faire tout ça pour sa femme. Oh non, je suis amoureuse de cet homme, mon soeur. Comprends-moi un peu, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu reviennes dans mes bras en train de pleurer. Non, ça n'arrivera jamais. T'es prévenue. Donc, après avoir dit toutes ces bêtises sur lui, tu vas encore vers lui? Non, lave-moi, tu exagères, tu ne peux pas. Laisse-moi encore te voir auprès de lui. N'importe quoi. Allez, lève-toi, tu ne fais que dormir. Tu n'entends pas? Lucas, c'est pourquoi tu me tapes pas. Non, attends, idiote. Eh où? J'arrive, oh. Non, viens me frapper encore. Attends, tu verras. Tu as le courage. Pas de problème. Je t'apprendrai une leçon. Attends, tu verras. White. Ah, pourquoi n'ouvrais-tu pas le portail, non? Tu sais, le portail était ouvert. C'est juste que quand j'ai essayé d'ouvrir... Allez, mon ami, il faut dégager là. Tu parles comme quelqu'un qui ne raisonne pas bien. Moi? J'espère en tout cas qu'on va manger aujourd'hui. Hein. Une fois que je finis de préparer, je vais t'appeler. T'en fais pas. Tu sais... Tu prépares bien, oh. Ta nourriture est terrible. Tu sais vraiment préparer. N'oublie pas la mienne, oh, s'il te plaît. Une fois que je finis, vous aurez votre part. Ne vous en faites pas, les gars. Parles, là? Qu'est-ce qui te regarde ici? White, tu vois, hein, le problème est que je t'ai fait confiance. Tu vois ma part là, tu vois la tripler. Mon pote. Ah, White. Laisse-moi aller juste me reposer et attendre cette nourriture. Oh, mon Dieu, c'est une bonne chose. Mais toi, cette fille, tu verras. Juste attends, tu verras. Sharon,
T'as pas l'air tranquille. C'est quoi le problème? Dis-moi. Je ne suis pas contente. Écoute, il serait mieux que tu causes avec Tira. Dis-lui de rester loin de mes affaires. Sinon, je lui rendrai la vie misérable. Que Dieu vous épargne. Pourquoi tu peux faire ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je t'ai déjà dit. Cause avec Tira. Et dis-lui de rester loin de mes affaires. Ah ah! Sharon, tu n'es pas aussi claire. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme ça, je saurai comment parler avec elle. Gold, je t'ai dit tout ce que tu devais savoir. Et c'est tout. Va rappeler à ta sœur qu'il doit se mêler de ce que les regarde dans cette maison. Sinon, je lui rendrai la vie difficile. Ok, d'accord, je le ferai. Je lui en parlerai, mais calme-toi. Tu m'as entendu? Laisse-moi aller la chercher, calme-toi. Sarah, qu'est-ce qui se passe entre toi et Sharon, notre grande sœur? Es-tu malade? Est-ce une question ou quoi? Je comprends rien. Ah, dégage ma vue, c'est quoi ça? Je vais m'en aller. Mais sache que si quelque chose t'arrive, c'est toi-même qui en est la cause. N'importe quoi. Oh mon Dieu, je ne te blâme pas. Regarde-moi ce petit rat qui me parle. Donc tu as eu le culot de me parler de la sorte. Je ne suis pas ton ami, c'est quoi ça? N'importe quoi. Oh mon Dieu. Il n'y a pas de problème. Je vais te rencontrer. Sarah, je t'en prie, je te l'ai bien dit avant, je ne suis pas du tout intéressé. Hein? Pourquoi ne veux-tu pas me laisser en paix? Je suis venu ici pour travailler et vous devez me permettre d'être à l'aise pour bien faire mon travail, non? Pardon, je t'en prie. James, je t'aime énormément. Yeah. Je suis prête à tout faire pour toi. Sérieusement, je ne me sens plus bien. Je n'arrive même pas à dormir la nuit dernière. Oui. S'il te plaît, rends mes nuits splendides, je t'en prie. Oh! Sarah, laisse-moi tranquille, hein? Comment peux-tu me courir après? Ta soeur me court après elle aussi, hein? Écoute, je ne vais pas créer des problèmes entre toi ainsi que ta soeur. Je veux juste que vous me laissiez tranquille tous les deux. Je ne veux pas que madame ainsi que Olga puissent avoir des problèmes. Pardon, je t'en prie. Regarde mon amour, regarde très bien. Écoute, si tu ne viens pas chez moi, personne d'autre ne pourra te prendre. C'est ma décision. Excuse-moi? Tu es en train de me traquer, je me trompe? C'est une promesse. Ose et tu verras. N'importe quoi. J'ai une nouvelle pour toi. Vraiment? Elle oui. Aussi, dis-le-moi. Oui, j'ai bien compris la raison de la guerre avec notre sœur. Je sais pourquoi est-ce que tu fais la guerre. Pourquoi? C'est à cause de James. Je te dis. Oh, es-tu sérieuse? Oh, donc c'est à cause de ce gars que grande sœur Sharon m'avait demandé de tirer les oreilles de Sarah, sinon elle va la tuer. Elle a dit ça? À cause de White Money. Oui, c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit de prévenir Sarah. Es-tu sérieuse? Ah. Je me demande qu'est-ce qu'elle trouve de bon chez ces garçons. Désolée, en tout cas, je ne vois pas. Mon petit ami est plus beau que lui. Ton petit ami est plus beau que lui. Dis-moi que tu n'es pas amoureuse de lui. Ah, non, grande soeur, tu ne peux quand même pas dire ça. Ne dis pas ça. Hormis le fait qu'il cuisine bien, le reste, je ne ressens absolument rien pour lui. Et puis, je ne vois rien de spécial chez ces garçons. Oh, tu n'as pas de sentiments? Oui. C'est ce que tu veux me dire? Non. Tu veux que je croie en toi? Oui. Ça serait mieux parce que je n'ai pas les forces pour vous séparer, oh. J'en ai pas du tout, je te dis. Grande sœur, tu sais que je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas comme elle. C'est mieux. D'ailleurs, tu as interrompu mon séance de selfie. Oh, on y va. Pas comme ça.
N'importe quoi, donne mon téléphone, imbécile. On se voit après. Hey. Mon amour, comment vas-tu? Ah, je vais bien, je vais bien. Je ne fais que me débrouiller, chérie. Comment va ton frère Nandi? Ah, ok, d'accord. Salut de ma part, ok? Ok. Oh, allez, chérie, tu réponds avec ça, hein? Mais crois-moi pour... Ok, ok, d'accord, ok? Je te le promets, je vais faire très attention à moi-même, d'accord? Hein? C'est une promesse. Bébé, je te rappelle plus tard, s'il te plaît. D'accord. Donne-moi ce téléphone. Excuse-moi? Te donner mon phone, pourquoi? Donc, tu as eu le courage d'appeler ta petite amie ici? Donne-moi ce téléphone. Donne-moi le téléphone. Donne-le-moi vite. N'importe quoi. Sarah, pourquoi l'as-tu giflé? Pourquoi as-tu giflé, James? Où est ton problème? C'est toi que j'ai giflé? Alors pourquoi tu cries comme un chien enragé? Hein? Comme une chienne folle? Oui. Sarah, je suis une chienne folle? D'accord, je vais te montrer comment les chiennes folles se comportent. Ah bon? Tu m'as giflé? Pourquoi tu te prends toi? Pourquoi tu te prends? Attends. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là-bas? On verra dans cette maison. On est maintenant des amis. Il n'y a plus de respect. Je ne te condamne pas. C'est bon, arrêtez de vous battre. Oh, laisse tomber. Qu'est-ce qui se passe? Madame, je ne vais pas te laisser. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Laisse tomber, madame, s'il te plaît. C'est quoi ça? Laissez-moi, ne me touchez pas. Grande sœur. Allez, Sharon, je te comprends, hein? Mais tu dois te calmer. Ressaisis-toi, essaie de te calmer, hein? Oublie un peu tout. Je sais que tu es choquée, hein? S'il te plaît. Sarah, il est toupé de me gifler. Ma propre petite sœur. Hey! Je vais en finir avec elle dans cette maison. Dieu merci, papa et maman ne sont pas là. Mais une fois qu'ils vont revenir, ça sera mon cadavre ou ça de les siens. Non. Non. Grande sœur Sharon, ne dis pas ça. S'il te plaît, tu sais combien je t'aime. Je te respecte aussi. Je suis sûre que cela ne va plus se répéter. Et je t'en prie, essaie de te calmer. C'est bon, je vous ai entendu. Pas de problème. Mais t'as toujours l'air troublée. Si c'est bon, alors souris-nous un peu. Je vous ai entendu. Allez, souris, grande sœur. D'accord. On y va dire des mois, Sarah. Elle exagère. Sarah est vraiment terrible. Elle n'écoute pas. Hein? Elle doit arrêter avec ses comportements. Elle doit changer. Elle grandit. Sarah, tu n'as plus de respect pour moi. Tu as osé me gifler. Ok. Cette maison sera si petite pour nous. Et quand je vais en finir avec toi? Ok. Pas de problème. Sarah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? As-tu perdu tes sens? Comment tu peux lui manquer de respect devant tout le monde? Tu oublies le fait qu'elle est ta grande sœur, notre grande sœur. Comment tu peux la gifler devant nos travailleurs? Tu étais là lorsqu'elle m'avait giflé, n'est-ce pas? Et alors? Tu n'as plus de respect? Tu as tort. Pourquoi avais-tu giflé White Money en premier? C'est toi qui l'avais engagé, soit c'est toi qui le paye? Réponds-moi. Madame, je sais tout. Parle, non? Tu ne peux plus parler. Toi qui ne manques pas à dire. Tu sais que tu as mal agi. C'est pourquoi tu es venu bouche bée. Donc tu te permets de faire n'importe quoi devant tout le monde juste parce que maman a voyagé.
Ne m'insultez pas, sinon... Sinon quoi? Qu'est-ce que tu peux vraiment lui faire? La frapper ou la blesser? Réponds-moi. Sarah, n'essaye pas de jouer avec moi. Je ne suis pas Sharon, hein? Je vais te frapper terriblement et je mettrai ta nudité en découvert. N'ose pas jouer avec moi, d'ailleurs tu me connais, tu sais de quel bois je me chauffe. Je vais oublier que tu es ma grande sœur, je vais te frapper jusqu'à te tuer. Bon. N'importe quoi. Allons-y, laissons-la. Je ne vous blâme pas, hein, mais arrêtez de me déranger dans cette misère. Regardez-moi un peu le courage de ces sœurs. Mais disons qu'elles vont me faire ceci, elles vont me faire cela. Oh mon Dieu, regardez un peu ça. Ok. Nous sommes désolés, Porto. Je t'en prie, pardonne-lui. Je sais que tu es blessé. Essaie de te calmer. Je suis sûre qu'elle ne le fera plus. S'il te plaît. Nous savons que tu es un homme très respectueux et très gentil. Alors, nous voulons que tu gardes ton cap. Ok, nous sommes vraiment très très désolés. Ma sœur et moi sommes ici pour te présenter nos excuses. S'il te plaît, essaie de nous pardonner. Et Sarah y compris. Nous avons parlé avec elle et nous espérons qu'elle ne va plus jamais faire ce genre de choses. S'il te plaît, elle te doit du respect et aussi aux autres qui sont ici. C'est d'accord, je vous entendais toutes les deux. Mais elle a encore mon téléphone. Comment? Elle m'avait giflé, avait pris mon téléphone. Hey, c'est rat. Je t'en prie, Kelly, va récupérer son téléphone, s'il te plaît. Que j'aille le prendre? Tu me connais très bien, non? Si j'arrive là-bas et qu'elle refuse, je vais la démorceler, je te dis. Hein? Je t'en prie, attends, je vais voir. Sarah, le téléphone. C'est à toi que je parle. De quel téléphone parles-tu? Le téléphone de White Money. Il a dit que tu avais pris son téléphone. Ok. Tu as de la chance. Ton téléphone est là. Oui, c'est ça. Oui. Merci beaucoup, ma belle. De rien. D'accord, c'est bon, White Money. Alors, as-tu fini de cuisiner? Parce que là, j'ai très faim. Ok, je vais aller tout de suite dans la cuisine. Comme ça, je vais vous préparer quelque chose à toutes les deux, ok? Oh, parce que moi aussi, j'ai très faim. Je suis impatiente de manger ta nourriture. Oh, c'est d'accord. Pourquoi n'allez-vous pas toutes les deux à l'intérieur, vous changer comme ça, je vais préparer, vous appeler dès que ça sera prêt. Ça c'est mon white money. D'accord. Waouh. Petit garçon. Oh, c'est cool. C'est bon, j'ai compris. Je t'aime beaucoup. Vas-y. D'accord. Ton sourire aussi d'ailleurs. Ah, white j'adore money. Ah, as-tu goûté à cette nourriture? Je t'ai dit, la nourriture est tellement délicieuse. Je te jure. Regarde, ce garçon s'est préparé. Oh. Ah. Et les hommes préparent comme ça. White Money. De toute façon, il prépare même moi une femme. Je ne peux pas m'égaler à lui. Il est terrible. Je n'ai jamais rencontré de pareil. Ma foi. Non, ce garçon n'est pas sérieux. C'est tout ce que je vais faire. Hein? J'irai les voir en privé. J'irai les voir pour lui demander de m'enseigner à préparer. Parce que j'aimerais commencer à préparer pour ma femme, préparer pour mes enfants quand je vais me marier. Non, voilà, non. C'est mieux que tu ailles le voir, il va t'enseigner. Tu veux vraiment dépenser de l'argent? Pourquoi pas? Même s'il me demandait de l'argent, je vais lui donner l'argent pour qu'il m'enseigne. Parce que dans cette vie, hein, tous les hommes doivent savoir aussi préparer. Au cas où ta femme n'est pas là, que tes enfants ne meurent pas de faim. Regarde,
Regarde-toi, aventurier, qu'est-ce que tu en fais? Tu n'es qu'un simple chauffeur, tu ne connais rien de la cuisine. Tu penses que je resterai comme ça pour toujours? Allez, laisse-moi rester. Regarde, bientôt là, tu ne vas plus me reconnaître. Oh. Regarde, quand j'aurai l'argent, je viendrai t'épouser. Oh. Toi, m'épouser. Non, tu ne vas pas m'épouser. Arrête de me faire rire. Je ne veux plus te donner ma nourriture. Oh. Je ne veux plus te donner ma nourriture. Tu ne vas pas m'épouser. Mon Dieu. Hein? Regarde, regarde. Voyez-moi cette sorcière. Voilà comment elle ronfle comme une chèvre. Tchaï! Si on veut te donner de la nourriture dans une assiette, tu la veux dans une marmite. Si on veut te donner de l'eau dans un gobelet, tu refuses. Tu veux que ce soit dans un seau. Aïe! Allez, lève-toi! Lève-toi, idiote! Tu ronfles à cette heure? Tu joues avec moi. Je ne te blâme pas. J'ai cru que tu étais assez un homme, non? Allez, sors ici, sors. Tu n'as qu'à sortir, viens ici dehors. Je t'attends ici. Tu ne vas rien me faire, toi. Je suis là. Enverra-moi et toi, je vais te punir aujourd'hui, idiot. Tu m'as trouvé en train de me reposer tranquillement. Tu es venu me réveiller. Ah, tu verras aujourd'hui. Tu rentres à cette heure, tu n'as même pas encore ce que je te ferai aujourd'hui. Viens dehors, tu ne sais pas ce qui t'attend. Viens m'affronter. Idiot, imbécile que tu es. Tu vas rien me faire. Avec ta taille de grenouille, tu auras ta punition aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu dis là, tu le dis en vain parce que tu ne vas rien me faire. Je ne te blâme pas. Si tu es un homme, viens ici d'ailleurs, non? Pourquoi tu te caches là-dedans? Calme-toi, dis-moi, c'est quoi le problème? C'est Namasisi, oh, c'est lui, oh. Alors que j'étais en train de me reposer tranquillement, il a surgi, je ne sais pas moi d'où, pour me frapper, m'a réveillé. Ça m'a fait très mal. Je dois me venger, non. Arrête non, de perdre l'énergie. Non, je suis là. Je écoute, ne quitterai pas d'ici. Laisse-le tranquille. Non, je ne laisserai pas tomber. Laisse-le tranquille. Tu les connais très bien, non? Peu importe. Tu connais comment il est? Je m'en fous. Moi, je voulais guérir de sa folie aujourd'hui. Non, pas question. Je ne t'écouterai pas. Tu ferais mieux de partir. Écoute-moi, calme-toi. Calme-toi, regarde. Jésus. Tu sais quoi, hein? Je vais te donner ma nourriture. Hein? Je sais que tu as fait. Voilà pourquoi tu cries comme ça. Je vais te donner ma nourriture. Hein? T'es sûr? N'essaie pas de me corrompre avec ça, hein, parce que tu connais ma passion pour la nourriture. Juste laisse-les, allons-y. Tu as de la chance, faut dire merci à Dieu, hein. J'allais te finir aujourd'hui. Laisse-les tranquille, allons-y. Viens. Est-ce que tu Non, s'il te plaît, viens avec moi. Allez, arrête de me toucher comme ça. Tu connais bien cet homme, cette nourriture. C'est là-bas, viens avec moi. Ne suis pas cet homme, il est toujours comme ça, allons-y. Laisse-moi. Mon cher, si tu as la nourriture, pourquoi ne pas me réserver cela, hein? Es-tu vraiment sûr d'avoir la nourriture ou tu as juste fait ça pour calmer la tempête? Aïe, cette petite fille. Pourquoi me menace-t-elle comme ça? Remercie Dieu parce que je n'avais pas encore mangé. Si j'avais mangé, tu allais voir. On ne lui donne pas ma nourriture. Hey, oh mon Dieu, arrête de te battre. Ne te bats pas, mon fils. Pas de problème. J'ai tort. Malgré tout ce qui se passe, c'est la fin qui justifie les moyens. On verra alors la suite de ce problème. Viens, mets-toi là. Vas-y, mets-toi. Attends-moi, j'arrive, hein? Je t'apporte à manger. Je sais que tu aimes manger. Tu n'es toujours pas contente? Ce que je te donne là, je pouvais aussi les manger, non? J'arrive.
Je t'avais dit, ne t'inquiète pas. Maintenant, voilà. Regarde, prends ma nourriture, mange. Je l'ai apportée pour toi. Prends, mange. Hein? Ah, t'as pas mangé? Non, non. Je n'ai rien touché là-bas à l'intérieur. Je l'ai gardé uniquement pour toi. Merci. Merci. Oui. Magri. Regarde. Attends-moi, je t'apporte de l'eau. Hein? Garçon social. Magri. Garçon social. Ah! Tu l'as fini, oh? Oui, c'est très bon. Laisse-moi manger. Tu aimes beaucoup manger, toi. Non, prends. Merci de manger. Merci. Les gens dans cette maison pensent que je mange beaucoup. Ils oublient que je garde ma nourriture pour toi. Merci, je ne suis pas vexée. Si tu me vois en colère, même... Ah, celui-là, il faut l'oublier. Laisse-le importer. Qu'est-ce qu'il va même te donner? Magri. Merci, mais ça je couvre. Je garde ça pour la nuit. Non, ne garde rien, finis tout. J'aimerais te voir finir cette nourriture. Magri. Franchement. Ah, ce garçon s'est préparé. Il prépare très bien. Il est juste terrible. White Money, s'il te plaît, je suis désolée. Je t'en prie. Je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Mais je sais que je t'avais offensé. Je ne veux plus jamais le refaire, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne suis pas méchante. Je t'en supplie. C'est d'accord. Lève-toi maintenant, s'il te plaît. Je te pardonne, d'accord? Lève-toi. C'est vrai. Merci beaucoup. Allez, on oublie ça, d'accord? Mais sache une chose, s'il te plaît. Même si ce n'est pas seulement moi. Mais ne lève plus jamais ta main pour gifler un homme, d'accord? Ok? Ok. Alors, où est-ce que t'es allée comme ça? Je cherche Sharon. L'as-tu vu quelque part ici? Non, pas du tout, ma belle. Je me dirigeais vers le garde-manger pour prendre la nourriture à préparer. Merci. Ah ouais, d'accord. Ok, bye. Maggie, tu vois, hein? Je veux qu'on arrête toutes ces disputes et tous ces problèmes à tout moment, hein? Ces conflits et tout. On doit arrêter, hein? Si je t'ai offensé, pardonne-moi. À chaque fois, on fait des choses comme la souris et les chats et ça et là. Donc, c'est pas tellement intéressant. S'il te plaît, si tu peux me pardonner, qu'on vive en paix. Hein? Au lieu de vivre comme Sodome et Gomorrhe et toutes ces choses, tu vois. Nous ferions mieux de vivre comme des gens qui travaillent dans un même endroit. Hein? Da, laisse-moi te dire. Je crois que ces excuses que tu viens de me présenter viennent de ton cœur. Pourquoi pas? Ah, voilà, je crois que c'est une décision qui vient de ton cœur. Ne me demande pas pardon aujourd'hui pour me causer des torts demain. Que la foudre s'abatte sur celui qui dira que ses paroles ne sortent pas de ma bouche. Hein? Je t'en prie. J'ai des cœurs, que cela vient de ton cœur et non la bouche. Ces paroles viennent de mon cœur et de la bouche de mon cœur. Si tu peux m'aider, pardonne-moi et arrêtons toutes ces querelles. Hein? Pourquoi devons-nous nous comporter comme si il y avait... Arrête. Fais-moi un câlin. Tu m'as demandé pardon, non? J'ai dit que j'ai accepté ton pardon. Alors fais-moi un câlin, une façon de me réconcilier. Arrête avec tes aventures. On est amis maintenant, d'accord? Oui, nous sommes amis maintenant. Bien. Mon Dieu. Maggie, tu sais que ton câlin m'a rendu dingue? Es-tu sérieux? Vous êtes à l'aéroport? Oh, papa, allez, dans ce cas, passe-moi un moment pour que je confirme. Allô, maman?
C'est vrai? D'accord, maman. Dans ce cas, j'envoie rapidement Franck pour venir vous prendre. Franck! Oui, petite madame. Papa et maman sont revenus, donc va tout de suite à l'aéroport les récupérer. Ok, ma. Portier. Portier, ouvre le portail. Mais où est-ce que tu vas? Ouvre le portail. Une petite femme va t'envoyer comme ça, tu pars immédiatement. Es-tu sûr? Espèce de fou. Laisse-moi t'ouvrir le portail alors. Ne me cogne pas, oh! Comme ça, comme ça. Hey, maman, papa, mes enfants, chérie. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Vous avez une bonne mine. Toi et papa. Vous avez toutes l'air belles. Vous avez profité, hein. Vous avez beaucoup. Je suis très contente. Sérieusement. Mon ange, comment tu vas? Oh mon Dieu, vous m'avez beaucoup manqué. Papa est de retour. Maman, on sera encore ma top modèle. Oh, viens me faire un câlin. Salut, madame. Oh, James, tu es aussi là? Viens. Comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. C'est bon, vous savez combien vous m'avez manqué. Oui, ça va. Très bien, ravi de vous revoir. Content de vous voir. Vous allez bien. Tu as bonne vie. Oh, merci beaucoup. Bien sûr que oui, maman. Je sais que ça va. Tu connais nos goûts. J'en ai hâte. Sortez les bagages oui, de la voiture. Je veux le voir. Je dois les partager entre vous. Ouais. J'ai apporté les choses pour chacun d'entre vous. Papa est revenu. Ok, entrons alors. Allons-y. Nous sommes contents de votre retour. Nous sommes très contents, maman. Tu as bonne mine. Papa, viens vite. James, monsieur. Ma femme et moi avons décidé de t'offrir un contrat à durée indéterminée. Nous vous te donnons un contrat à durée indéterminée. Hey, merci. Merci, monsieur. Lève-toi. Que Dieu vous bénisse. James, lève-toi. Merci, monsieur. Lève-toi. Et ce n'est pas fini. Oui, monsieur. Et demain, j'aimerais que tu partes au village. Qu'est-ce que je vous ai fait, monsieur? Dites-moi un peu, hein? Vous venez à peine de me dire que vous me donnez un contrat à durée indéterminée. James, maintenant, ce n'est pas ce que tu penses. Attends, laisse-moi finir. Veux-tu m'enterrer avant que je ne dise quoi que ce soit? Non, monsieur. Calme-toi. Je veux que tu rentres au village et que tu amènes tous les membres de ta famille dans cette maison. Oui, il y a assez d'espace pour eux. Nous allons prendre soin d'eux. Ah, Chief. Chief, merci. Tu es une bonne personne. Hey, merci beaucoup, madame. Donc, tu dois rentrer au village et ramener ta famille. Hey, merci beaucoup, madame. Merci, monsieur. Que Dieu mais vous bénisse. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis lève-toi. S'il vous plaît. Allez, James, arrête ça. Lève-toi. Merci. Non, mais écoute. Tu es une bonne personne.
Merci, monsieur. Et tu le mérites bien. Merci infiniment, merci. S'il te plaît, lève-toi. D'accord, d'accord, monsieur. Tu peux rentrer autrement. Je vais me changer pour me préparer à aller au village. Allô, maman? Maman, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Oui, oui. Tu sais, le chef pour qui je travaille en tant que cuisinier. Oui, il a décidé de me donner un contrat à durée indéterminée. Oui, et il a dit qu'il va me payer 50 000 naira chaque mois. Oui, oui, maman. Il y a encore autre chose, maman. Maman, je serai au village là-bas demain. Hein? Hey, il ne dit rien à monsieur, ne leur dit rien, c'est une surprise. Je vais juste prendre toi seul, ok? Chief a dit que je dois amener ma mère, qu'il veut la voir pour la surprendre. Oui, non, oui, hein. Oui, maman. Maman? Et alors, mon amour, Amaka? Elle va bien? Abada? 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 Toujours aussi pervers. Maman, entre, je t'en prie. Hey. Oui, maman, c'est ici que nous vivons. C'est ici là où tu habites. Amada? Hey! C'est qui Abada? C'est le portier. Maman, voici le... Oh, ah, okay. Ça va. Oh. Bonjour, monsieur. James, tu es de retour? Oui, monsieur. Comment tu vas? Je vais très bien, oui. Je suis déjà rentré du village. Chief, je suis venu avec ma mère du village. J'espère que... maman, voici Chief Okafor. C'est lui qui m'a engagé ici, au fait. Il a vraiment été très gentil avec moi. Obina! Oma! Maman, qu'est-ce qui se passe là? Tu le connais? Obina est ton père! Quoi? Ah? Papa? Hein? Ça veut dire quoi ça? Donc tu veux dire que l'homme que j'ai considéré comme mon père, qui est mort il y a 4 ans, n'est pas mon vrai père? Laisse-moi t'expliquer. Comment tu vas? Bon après-midi, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Obina. Je suis de ce village. Je m'appelle Oma. J'habite ici. J'habite avec ma mère et mes deux sœurs. Oma, merci. Tu es trop belle. Puis-je avoir ton numéro? Ok. Merci. C'est mon numéro. Je vais t'appeler. Donc, elle ne t'intéresse toujours pas malgré tout ce que je viens de te dire. Tu vois cette fille? Ah, je n'ai pas le temps pour ça. Tu vois, la vérité est que... Oma est une bonne fille. Je l'aime bien. Elle est une bonne femme. Épouse-la, non? Voyons, mec, mais qu'est-ce que tu me chantes là? Que je l'épouse? Vraiment? Mais que veux-tu dire par épouse-la? Tu viens de dire que c'est une bonne fille. Alors épouse-la. Non, mec, on ne peut pas en arriver là. N'oublie pas que j'ai des relations sérieuses. J'ai des belles nanas telles que... Qu'est-ce qui va arriver à Susan?
Après 6 ans de l'école, veux-tu que je l'abandonne comme ça? Tu veux qu'elle puisse se tuer à cause de moi? Eh, pardon. C'est 6 ans dont tu parles là. Où t'ont-elle amené? Mais qu'est-ce qui te prend, non? Attends, qu'est-ce que tu as fumé aujourd'hui? Hey. Et donc, je ne t'ai jamais dit avant? Tu ne l'as jamais dit. La fille que tu avais rencontrée au marché là, qui venait de Lagos, c'est la seule que je connaisse. Tu ne m'as jamais parlé de celle-ci en particulier. Pas de problème. Ma chérie fait le stage à Cali. Elle est à Calabar. Oba, oba, mon gars. Là, tu parles maintenant. Là, tu ressembles à un homme. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, non? Qu'est-ce que tu veux dire par... Tu ne portes jamais une veste? Je n'ai jamais mis de veste. Ce n'est qu'à un mariage que je mettrai une veste. Et ça m'étonnerait parce que quand tu me parles de cette fille, hein, moi, ça m'étonne vraiment. Tu vois, hein, le problème est que tu vois... Tu vois, à chaque fois que tu penses à quelqu'un que tu aimes... Et à chaque fois que tu penses à elle, même dans l'après-midi comme ça, tu risques de la voir dans tes rêves. Mon gars, mon gars. Oh, mon cher. Oui, c'est comme si tu organises une interview avec Monsieur Love, tu vois. Maman, pourquoi je dois faire seul ce travail? Je ne saurais pas, je ne suis pas assez forte. S'il te plaît, travaille là-bas. Ne me dérange pas, je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Oma, tu vas bien? Qu'est-ce que tu as? Allez. Ah ah. Oma, ça va? Non, 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 non. Tu ne vas pas bien. Maman! Maman, viens. On a besoin de toi ici. Hein? Ma fille. Ma fille. Ma fille, oh. Oma, ça va? Maman. Tu vas bien? Je vais bien. Je ne comprends juste pas ce que je ressens. Es-tu sûre? Qui ça va? Oma! Tu es enceinte. Hein? Enceinte? Oui. Oui. Tu es enceinte. Oma! Hein? Oma! Maman, regarde, maman, Oma, regarde un peu. Maman, c'est quoi? Pourquoi elle a fouillé, maman? Oma, reviens. Qu'est-ce qui se passe? Reviens. Oma. Qu'est-ce que tu vas faire? Reviens vite. Oma. Pas de problème. Je sais comment je l'aurai. C'est pas grave. Oma, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu venue ici? Tu es venue m'embarrasser? Obina, je suis enceinte de toi. Tu es quoi? J'ai peur ton enfant. Je ne t'ai pas entendu. Tu es enceinte de qui?
J'ai dit que je suis enceinte. Hey, j'ai peur de l'enfant. Ah mon frère, comment tu vas, non? Mmh. Ça va, hein? Mon pote, ça va, non? T'es venu me chercher. C'est comment? T'en fais pas, je te rejoins là. Que je résous deux ou trois problèmes. Alors dis-moi, j'espère que tout va bien, non? Non, il n'y a pas de problème. Ne t'en fais pas, j'arrive, okay. Hein? Je serai là d'ici peu. Ok, pas de problème. Oui, oui. Écoute-moi, tu dois te débarrasser de ces bébés. Tu m'entends? Tu dois t'en débarrasser. Tu m'entends? Quoi? Oui! Tu es aussi méchant et sans cœur. Donc ça veut dire que tu ne vas pas m'épouser, hein? Tout l'amour, les promesses que tu me disais étaient pour avoir de l'avantage sur moi. Peux-tu juste la fermer? Veux-tu m'embarrasser? Sais-tu que je suis au travail ici? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ok, très bien, on se voit plus tard, ok? On va en parler, ça va? Ok, Obina, bouge. On va en parler arrête plus tard. Me je dis bouge. Laisse-moi, je dis partir. Bouge. Oh. Je partirai de moi-même. Laisse-moi. Arrête, merci. Ça suffit, non? Ça suffit. Nous sommes ici pour toi. Arrête de pleurer. Allez, Oma, s'il te plaît, arrête. On est là pour toi. Je t'en prie, arrête de pleurer. Ça va aller. Maman, tu sais ce qui me fait plus mal. Obina ne veut pas de cette grossesse. Il me demande d'avorter. Obina va un jour regretter ce qu'il a fait. Oui, oui. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Je suis encore jeune. Je saurai m'occuper de toi. Obina les regrettera un jour. Ne pleure pas, petit. Ne pleure pas. Ça suffit. Arrête de pleurer, Oma. Ça suffit. Pleure arrête pas. De pleurer. Tu dois être c'est forte. Fini. Ça va aller. Je suis là. Oma, je suis là pour toi, Oma. Arrête. Arrête. Ma fille, ça arrête suffit. Sois forte. Je suis là pour toi. Oh, je saurai m'occuper de toi. Tes soeurs aussi c'est sont fini, là. Oh, toi aussi. On t'interdit. Oh. Arrête. Pleure plus. Ça suffit. Je suis là, moi, ta maman, je suis là. Ezine. Ma soeur. Comment est-ce que dans ce village, il y a maintenant ce genre de pratique? Quelqu'un qui engrosse notre soeur et qui lui demande d'avorter. Ça veut dire que notre soeur n'est pas belle pour être mariée? Ça me fait vraiment mal. Je ne suis pas contente, j'ai très mal au cœur. C'est la faute de ma soeur. C'est de sa faute. Comment a-t-elle osé coucher avec ces misérables stagiaires? Oh Seigneur, tu sais, écoute, qu'il prie pour que je ne le croise pas dans ce village. Je m'occuperai de lui. Ça me fait mal au cœur quand je vois notre soeur pleurer tout le jour à cause de cet homme. Ce misérable doit prier. Il doit prier tout le Dieu pour que je le croise. Mon Dieu va village. Le punir. Sinon, je lui ferai la peau. Dieu va le punir. Je suis tellement désolée. Je l'ai gardé pour un tel jour. J'étais sûre et certaine que cette occasion arrivera. Mais nous voici. C'est lui, ton père. Maman, tu essaies de me dire que l'homme que j'ai appelé mon père il y a 4 ans de cela n'est pas mon vrai père? C'est ça l'histoire, mon fils. Crois-moi. Oma. Tu m'as caché cela sans même me le dire. James, tu es donc mon fils? Viens, s'il te plaît. Vas-y, mon fils. Il est ton père. Tu es donc notre frère. Tu es notre frère. Nous sommes très contentes. On ne les savait même pas. Voilà pourquoi on s'est battu pour toi. Vraiment. Bienvenue. Et je ne savais rien du tout. Bienvenue. Nous sommes très contentes. Mon fils. Bienvenue. Ensemble en famille.
Enfin, nous vraiment avons maintenant. Tu sais quoi? Je t'envoie au Canada. Oui. Quoi? Oh oui! Oui. Oui. Je pense que c'est la chose parfaite. Wow. J'ai des larmes aux yeux. Merci beaucoup. Oh, je suis très content. Maman. Bien, bonjour mon fils. comment va Canada? J'espère que tout va bien là-bas. Tu sais que tu me manques beaucoup. Oui, tu manques à tout le monde ici. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu as un visa de 8 ans là-bas. Ton visa n'a pas expiré? Tout le monde va bien. Tes mamans, tes sœurs. Oui, tout le monde va bien et tu leur manques beaucoup. Tu viens au Nigeria quand? Es-tu sérieux? Ça, c'est très bien. Que viens-tu de dire? Grand frère Naija. Mes félicitations, mon fils. Oui! Viens ici les doubler alors. Viens montrer tes talents de cuisine. Au moins, prépare pour eux et ils sauront qui tu es. Ils l'apprécieront, tellement. Oui! Nous allons tous voter pour toi. Oui! Je vais mobiliser mes amis et leurs membres de famille, mes partenaires politiques. Tout le monde votera pour mon fils. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu vas vaincre. Tu seras le dernier qui va rester. Oui. Le dernier à se tenir, oui, ce sera toi. Je te fais confiance. C'est bon, mon fils, on va t'attendre. Tout le monde sera très content d'apprendre que tu viens ici. Merci beaucoup.